Murray, un de mes préférés de tous les temps. Il est ici pour parler de son dernier livre. Et comme toujours, notre fétiche, les Old Gods of Asgard, sont ici. À vous de mettre le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout. Waouh! J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Alan Wake est tellement perdu en ce moment. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh ! Alan ! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, suivez-moi. Allez-y, prenez place. Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman! Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'ait été écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Eh oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Ah.
C'est plus juste une histoire, littéralement ça. Ouais. Bon. Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. Donc là maintenant le show est terminé. C'est tort parce que là maintenant Alan Wake a l'air déboussolé comme ça se fait pas. J'espère juste qu'il n'y a pas de monstre qui nous attend, les amis. Waouh. Ok, parfait. So, là maintenant, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Essayer de donner des réponses à Alan Wake, alias Patrick Sénécal. Alias l'auteur. Qu'est-ce que c'était que cette interview? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Guys, imaginez, tout le monde vous acclame pour quelque chose que vous vous rappelez même pas avoir fait. Les À quel deux point tu Gods dois... of Asgard. Ce nom était familier. À quel point la peur peut se faire manifester après ça. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Le gars s'appelle Monsieur Porte. Ok. Là, il y a plusieurs portes. Ok. Au moins, on sait que celle-là est barrée. Juste voir. Je pense qu'il y avait une porte aussi ici, guys. Ouais. La porte en arrière ici. Mais je sais que c'est pas là qu'il faut aller. Oh. Ok, ouais. Ok. Patrick Sénécal, I mean, Alan Wake, il court pas vite, hein. On va essayer comme ça. Hey! Je crois que je suis enfermé! Y a quelqu'un? Merde! Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. Bon. Et si le code était 1, 2, 3? Bah, ça valait la peine d'essayer. On va devoir trouver le code par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un indice ici? Oh, c'est quoi ça? Oh crap, je pensais que c'était une combinaison. On va juste voir quelque chose, peut-être que... Non, ici, il n'y a rien qui pourra nous aider. Est-ce qu'ici, il y avait une indice? Oh, peut-être que c'est 665. Ouais, je suis sûr que c'est ça. On va essayer ça. Nice. Vous voyez, détective Yuri. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Bro, ce jeu-là. Ok. Oh shit. J'étais pas tout seul dans le studio. Je devais sortir. Yo. Faites qu'il y ait personne.
En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Vous voyez, guys, pour me plonger un peu plus dans le jeu, j'ai décidé de regarder les gameplays du 1. Puis là, maintenant, je comprends plus. Comme cette pièce-là, il l'avait dans le 1. Puis, dans le fond, c'était sa femme qui lui avait acheté cette machine à écrire. Mais lui, il voulait prendre sa retraite. On l'a fait committed à l'écriture. Puis lui, il était vénère. Bon. Comment on sait qu'il veut pas écrire? Hey, il a un tabac. Pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir, j'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. Ça alors, ok, il utilisait un tableau pour mettre de la chronologie des événements pour que tout ait un sens. Ça c'est bon ça, c'est genius. Ok. Pas pire. Petit moment de musique. Là, on va reprendre les affaires sérieuses. La machine à écrire. Ellen Wake, désolé mon boy, on dirait que ça va faire ce que tu détestes le plus. Écrire des histoires qui font du succès. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cette entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore la profondeur de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce est mon bateau, l'écriture est mon filon. Je recommencerai tout à l'émission. Au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustre auteur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti! Ben non, on va retourner dans l'émission, guys. Et ça, c'est... Oh, ça, c'est le ban. C'est en train de jouer maintenant. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate, puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est très pour très le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens, Je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que
J'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Quand le créateur se fait spoil son propre histoire. Bon. Au moins, on a eu de nouvelles indices. Sur Casey. Mais là, du coup, va falloir retourner là où qu'on avait la petite machine à écrire. Donc, on était passé par là. Docteur Porte. Docteur Door. J'espère que le code n'a pas changé. On va essayer. Je vais voir. Peut-être que c'est pas ça. Non. Ok, wow. Ouais. Non. Wow! Oh! Je suis dead. Oh, ok. Le fait que le 5 arrivait plusieurs fois. Au moins, on a trouvé, guys. Bon. Là, maintenant qu'on a trouvé. Ça, c'est quoi ça? Ok, avant d'aller là, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller. Je veux juste voir si cette porte-là peut s'ouvrir. Non, c'est ok. La cafétéria, obviously. Quoi, la musique change. Let's go. Ok, finalement, on a touché la cafétéria. Bonjour. Who the fuck? Nice, les toilettes peuvent s'ouvrir. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de prendre des chiottes. Ou même pas. Ok. Comme ça, il chante comme si on était proche de lui. Oh, peut-être ici. Ha ha ha! Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe.
Il a tout fait sauf répondre à notre question. Pardon, mais on se connaît. Puis pourquoi il m'appelle Tom? Mon nom, c'est Alan Wake, alias Patrick Sénécal. On s'est déjà vu. Vous aussi, vous êtes coincé ici. Vous vous rappelez Artie, le concierge. On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long, une fois commencé. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez, et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures, au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. Merci, mon ami. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entonnoir. Vous pourriez m'aider? Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça, en lavant le sol et en regardant la flaque. L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut. Un sacré poète et un philosophe. Oh, nice, on a la carte. Je pense que le sous-sol est un piège. Le garçon est trop bizarre. Tu le trouves bizarre aussi, hein? Non, je te jure, je le trouvais bizarre aussi. Il avait l'air trop calme, malgré qu'on est dans une place chelou. C'est... Mais si on n'a pas le choix, va falloir le faire. Ok, donc là, on a toutes ces affaires-là. Mais ça, c'est ce qu'on voulait. Donc lui, il nous parlait du sous-sol, Giovanni. Nous, on est ici présentement. Qui veut dire que le sous-sol se trouve ici. Ça veut dire que va falloir trouver un moyen, la salle du concierge. Donc le raccourci au sous-sol, ici, pour aller ici, à l'opposé du rez-de-chaussée. Oh, il y a une sortie ici, mais pourquoi il voulait que... Ah, ok. Juste voir un peu, trouver quel est... Non. Parfait. Donc on va se rendre là-bas. C'est sûr, c'est un piège. Ouais, hein? Ah non, va falloir aller dans le piège dans ce cas-là. Sinon, que serait la série sans quelques petits pièges, hein? On va faire face aux pièges ensemble. Oh, là, on arrive dans une impasse. Oh, ok, non, je sais comment on va faire. En fait, on doit repasser là. Oh, mais ça dit que... Oh, que je suis en train de piler sur son travail. Ok. Juste voir. Est-ce qu'on va du bon côté? Ok, on va essayer comme ça. On va essayer ça comme ça. Alright. C'est ça, c'est ici. Nice. La clé fonctionnait. Pourquoi il me regardait comme ça? Ça, c'est une bonne question pour de vrai. Vraiment une bonne question. Là, il y a une chose. Les sous-sols dans les jeux d'horreur, c'est jamais une bonne idée. Surtout que notre bonhomme a pas de flingue.
vieille lampe dans une boîte à chaussures. Oh. C'était ça que le concierge m'avait laissé. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Ok, utiliser la lampe pour déplacer. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Wow. Oh. Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voix s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Waouh! Dans le fond, on a trouvé une lampe magique. Let's go! Crap, ok, je peux utiliser la lampe seulement quand je suis à côté de cette table-là. Et si on va trop loin et qu'il y a quelqu'un qui nous court après, je pourrais pas retourner à cette table-là. J'ai senti un autre élan dans la lampe. Oh, nice. Je pouvais la rallumer. Ma lampe s'éteignit alors, sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. Nice. What the? Ok. Là, du coup. Nice. J'ai l'impression que cette lampe-là va dans le temps. Comme là, maintenant, on est dans le moment présent. Puis si on la rallume, c'est le passé quand c'était en construction, je pense. C'est une théorie. Mais qui mérite d'être approfondie. Je devais trouver une autre issue. Génial. Peut-être qu'on pourrait utiliser la lampe? Non, ça nous laisse pas. Oh, ok. Allons par là. Oh, pas cette fichue télévision. L'encre noire veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit. Transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'ai écrit pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois. Écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours. Mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un? D'un lac qui n'en est pas un? Damn. Anywhere, I'm right in front of you, I'm right here.
on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. Alright guys, so là maintenant on comprend un peu plus